Peggy 16. Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marvel Spider-Man 2 pour le quatrième épisode. Allez, trêve de bavardage, on est go. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Faut que j'aille vite au raft. Ah bah voilà, ils viennent de le dire, faut qu'on aille au raft. Hop. Et c'est vrai que j'avais mis la tenue blanche à Miles Morales. J'ai pas compris pourquoi il nous a fait un petit looping. On peut faire des figures en étant comme ça? Ah ouais. On peut faire des figures aussi. Allez. Hop, on prend un peu de vitesse. Salut les amis, ici Danica. Vous écoutez le Danicast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi, Jonas, j'arrive pour te piquer la main. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis, ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable? L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du Danicast te salue. Continue comme ça. Oh, j'ai essayé de garder... Ah si, j'allais dire on peut pas à contre-courant, mais... Et si on peut... Hop là. Allez. Ah, j'ai raté le coche. C'est par là la sortie. Je fais n'importe quoi. C'est le début de vidéo, c'est pas bien grave. Allez, un petit surf. Salut. Content que t'aies pu venir. J'arrive à temps, on dirait. T'arrêtes pas, Gargan. Pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. Martin Lee. Miles. C'est bon. Ça va aller. C'est pas la saison des feux d'artifice? Il faut aller voir. Du rouge? Du jaune? C'est la même chose. Surveillez bien les prisonniers! Je prends la gauche! Protégez le bateau! Sur ma position! Allez,
Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête prend un superbe trophée. Alors, il n'est pas possible d'esquiver les attaques lourdes parallèles lorsque l'icône d'alerte passe du jaune au rouge. Oh, elles sont tranchantes, ces lames. Vous venez de loin, on dirait. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ces types sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ne mêle pas de tout ça. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue, alors. Cette lave te sert à quoi si tu n'en sais pas? Allez, baston time. Là, c'est les chasseurs. Ah, mais... Bien vu. Spider-Man, c'est quoi, ces espèces de brutes? J'espérais que vous le sauriez. Empêchez-les de monter à bord. Bah, on sait, parce qu'on a vu Kraven. Un méchant que je connais pas du tout d'ailleurs. Hop là. Vous connaissez, j'aime beaucoup la licence Spider-Man, mais après au niveau connaissance, c'est assez limité. On doit les arrêter. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. Ce sera un moment glorieux. Je raffole pas de ce genre d'annonce. Allez! Voilà. Pas mal les décors qui se pètent. Voilà. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? Ne vous laissez pas distraire par les araignées! Notre proie est à l'intérieur! C'est un peu Scorpion Eli qu'ils en ont. On peut pas les laisser entrer dans ce navire. Visuel sur la cible. Ah, franchement, les combos sont toujours aussi magnifiques. Avec 97. Ils ont c'est sympa. De la technologie. Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer. Scorpion ou Lee, tous les deux. Et si jamais ces gars s'échappent de là. Reste concentré, Spider-Man. Ça fait longtemps qu'il attend. Non mais pour de vrai. Vous êtes qui? Vous vous débarquez. Il y a au moins un truc. Oh, j'adore. J'adore. On est nombreux, mais on se bat à l'unisson. Comment ça va? Tu vois le truc des hydres là? Avec toutes les têtes qui sortent! Mais voilà! L'ennemi est dans les cordes! C'est bon, je m'occupe du petit! Petit? J'espère que c'est de Spider-Man que tu parles! Parce que je mesure un centimètre de plus que lui! Au moins! Pourquoi on n'était pas au courant que le raf se déplaçait lui? C'est sans importance! Il faut vite qu'on neutralise ces gars! Peu importe qui ils sont! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Thank you.
le bateau. Prends la coque. Mayday. Employez à l'intérieur. Moi, j'essaie encore d'arracher ces trucs. J'aurais besoin de quelques conseils du roi Arthur. Je m'en occupe. Il y a du monde à l'intérieur. Je vais aller les chercher. Spider-Man, remonte te mettre au sec. Dès que j'aurai fait sortir tout le monde. Ça va là-dedans? J'essaie de sortir. J'en profite pour vérifier s'il reste activé. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons à l'abri? Allô? Ah, pas de signal. Vaut mieux pas traîner. Oh! Ça se gâte sérieusement. Oh là 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 là, le scénario. Il y a quelqu'un ici! Scorpion! Il s'est échappé et il m'a jeté là-dedans! Je vous sors de là! Restez calme! Je vais trouver une solution! Accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Pete a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils m'ont libéré. Je suis là! Je vous le jure! Allez, système de secours. Montre-toi. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Merci mille fois, petit! Vraiment. C'est pas possible. Non. Papa. Oh, c'est pas réel. On a Scorpion en visuel. Super-héros. Peut-être que tu t'accroches là où les autres abandonnent. Il faut que je sorte.
Spider-Man. Andy. Qu'est-ce que t'attends? Pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. On tient. Non, Lee, tu t'en sortiras pas. Alors, attaque éclair en chaîne. Ah ouais, pas mal. Ma puissance bioélectrique. J'ai du mal à la contrôler. Spider-Man, ils emmènent les Scorpion aussi. Je suis à leur trousse. Aïe. Je pense que tu peux t'occuper de lui. Je peux revenir tout de suite. Non, je peux gérer. Vas-y, je te jure. Je peux pas le laisser s'approcher de ma famille. Pas après ce qu'il a fait à mon père. Je me dois de les protéger. Ils ont besoin de moi. Il arrivera. Garde ta famille. Rien. Tu vas assurer. Reviens très vite. Je maîtrise. Oh là là. Voilà. Viens là toi. Eh ben. Ah, c'était coton. Je crois qu'il en reste plein. Spider-Man, panique pas tout de suite. Mais Lee Striever est en feu. Quoi? Oh, ok. J'arrive tout de suite. On s'occupera de Scorpion plus tard. Allez, allez! Oh, c'est mort pas! J'arrive tout de suite! Accrochez-vous à quelque chose!
un peu. Faut que j'arrête cette hélice. Je peux pas entoiler l'hélice avec cette boîte qui me tape dessus. Bon, tiens. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Lee reste avec moi. Allez, baston time. Eh bah dis donc. Franchement, allez, je la sans voix du scénario. Hein. Les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais il n'y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont? Il n'y a que des décombres! C'était qui ces types? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hé, hey, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, ils... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hé. Hey. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas en vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête? Interdit de bouder. Allez. Change rien, Pete. Alors, ouvrir le menu des capacités. Depuis le menu capacités, vous pouvez changer les capacités que vous avez équipées. Miles a débloqué éclair en chaîne et point bioélectrique, mais un seul d'entre eux peut être actif à la fois.
Ok. Alors, activité disponible. Rien ne m'échappe. Bon, allez, vas-y, on va prendre celui-là. Salut, Miles. J'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. Ça te dit de venir ? Salut, oncle Aaron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non, je voulais juste te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais ? À plus tard, petit gars. Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. Allez. Oh, c'est loin. Ah, petit courant d'air. Si on peut aller plus vite, c'est... je dis pas non. Allez, allez, allez. Voilà. Bien pratique, hein, ça. Parce que s'il faut finir... les quartiers pour avoir... Hop là. À chaque journée, son lot de désastres pour notre ville bien-aimée. Et devinez qui sont les responsables ? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui ? Des Spider-Man, évidemment ! Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super-vilains Scorpion et Mister Négative. On ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les pots de bêtes. Mais une chose est sûre, les Spider-Man n'ont rien fait pour les arrêter. Si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement, ces criminels seraient encore derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Tiens, nous avons au bout du fil une personne ayant assisté à la scène. Madame, vous êtes en direct. Salut, Jonah. Merci de prendre mon appel. Je voulais juste dire que vous venez de sortir un gros mensonge. Et voilà. Moi, j'y étais sur la jetée. Les forces de l'ordre étaient complètement débordées. Les Spider-Man ont sauvé de nombreuses vies. Ils ont bien failli arrêter ces tarés avec des flèches. Tout d'abord, vous avez de la chance d'être en vie. Ensuite, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous une idée du montant des dégâts causés par ces maudits justiciers ? Non ? Mais c'est pas le sujet, en fait. Je n'ai pas le temps de débattre et de me perdre en conjectures alors que ces criminels en collant démolissent notre belle ville. Imaginez un peu tous les retards de livraison que cela va engendrer. Lorsque plus personne ne pourra se raser en raison d'une pénurie de crème, il ne vous restera plus qu'à remercier les Spider-Man. L'administration doit faire son travail. Les élus doivent agir. Et maintenant, un message de nos sponsors. Ah là là, toujours le même. Il changera pas, lui, hein. En même temps, c'est le personnage qui veut ça, hein. Il serait pas là, on s'ennuierait. Du coup, on va voir Tonton. Ça faisait longtemps. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque ? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit ? Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation.
planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. T'oublies un truc. Comment t'as... Hey Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Je rigole pas, Miles. Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupe pas de ça. Et sinon, quoi de neuf à part ça? L'école, l'université, les amours, ça va? Je sais pas. Donc t'as bien quelqu'un en tête. Allez, on va aller pas très loin. Hop là. On va essayer de se mettre en hauteur, c'est où on est là-bas. Ok. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra ce qu'il y a dans ce bâtiment dans le prochain épisode. Ouh, et bah dis donc, le scénario, il déchire. Ah, sur le moment, j'ai bien cru qu'on allait assister à Kraven dans la partie qu'on a vue dans le trailer cet été. Et après, je me suis dit non, parce que Spider-Man, il n'a pas encore symbiote. Il me semble qu'il était en symbiote dans le trailer. Après, il y a l'homme lézard, que moi j'ai appelé l'homme alligator, mais non, c'est le lézard. Mais Kraven, moi, je connais pas du tout. Mais je sens qu'il va être coton, déjà de par sa carrure. À mon avis, ça sent un baston Venom Kraven. Celui-là, il va faire mal. Hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, ciao, bye bye.